contre ceux qui ont le goût difficile. De Jean de la Fontaine. Quand je roi en naissant reçu de Calliope, les donc à ses amants cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge des Le mensonge et les vers de tout en sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions. On le peut, je l'essaie. Un plus avant le fasse. cependant jusqu'ici d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant, les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendront ceci pour un enchantement Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement de cinq ou six contes d'enfants sans En voulez-vous qui soit plus authentique et d'un style plus haut En voici. Les Troyens, après dix ans de guerre autour de leurs murailles, avoir lassé les Grecs, qui par mille moyens. Par mille assauts, par cent batailles, n'avoir pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois par minerve inventé, d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux, avec leurs escadrons devait porter dans trois, livrant à leur fureur ces dieux-mêmes en proie. Stratagème inouï, qui des fabricateurs, paya la constance et la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges. Ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix. De plus, il vous sied mal d'écrire en si hostile. Eh bien. Baissons d'un ton. La jalouse amarille son joie à son alcipe, et croyoit de ses soins. N'avoir que ses moutons et son chien pour témoins, Tircy. Qu'il aperçut, se glisse entre les saules. Il entend la bergère adressant ses paroles aux douze éphires, et le priant de les porter à son amant. Je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant. Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu, ne serois je achever mon compte? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux, rien ne roi les satisfaire.